tous. Aujourd'hui, nous allons déchiffrer les quatre premières lignes de l'Allegretto de Matteo Carcassi. Et pour le cours suivant, nous allons faire la partie suivante, justement, parce que c'est un peu complexe. Donc, je pense qu'il vaut mieux diviser notre travail. Nous avons trois dièses à la clé, Fa dièse, Do dièse et Sol dièse, ce qui nous indique aussi la tonalité de La majeur. Nous avons donc aussi 3, 8 indiqués à la clé, ce qui veut dire 3 croches par mesure. Et là, la crouse en plus, donc c'est le petit mi que vous voyez dans votre partition. Tout simplement, voilà, là, la crouse, qu'est-ce que c'est, hein? Ceux qui ne savent plus ou qui ont oublié, c'est la mesure incomplète, d'accord? C'est-à-dire que quand vous avez 3, 8, donc 3 croches par mesure indiquées, et là, vous voyez qu'il y a une seule croche dans la mesure, mais ça veut dire que c'est une mesure incomplète. Sinon, il y a peut-être une faute dans la partition, sinon aussi. Ça peut arriver. Bon, bref, on y va. Donc, première note, donc c'est mi, avec majeur. Et voilà, le premier temps de la mesure, c'est do dièse avec la basse la. Et mi et la. Aigu, deux fois. Je refais du début. Voilà. Ensuite, vous allez chercher le si sur la troisième corde, comme ça indiqué, d'accord? Troisième doigt, troisième corde. Donc, on n'oublie pas, les cordes sont toujours marquées dans les ronds. Et les chiffres simples, c'est la main gauche. Et les lettres, c'est la main droite. Voilà. Donc, si, avec la basse ré, après le ré sur la corde 2, et fa dièse. Voilà, ça fait. La mesure suivante, sol dièse. Et dernière mesure de cette ligne, donc fa dièse. Avec un legato, donc ceux qui ont oublié ce que c'est, fa dièse. Fa dièse, le legato, on joue fa dièse, mais on ne joue pas le mi avec la main droite, on tire, voilà, comme ça un peu. Mais on a déjà vu aussi ça, normalement. Deuxième ligne, la, do dièse, mi, mi. Attention, la mesure suivante, ré dièse et fa dièse. Et on tire un peu pour chercher le fa dièse aigu ici. Si, si, tenez les basses s'il vous plaît, car ça dure toute la mesure, c'est une noire pointée dans chaque basse. Quand la corde est à vide, ça sonne tout seul, et quand il faut appuyer comme dans cette mesure-là, il faut la tenir de préférence, ce serait mieux quand même. Et la mesure suivante, donc c'est la troisième mesure de la deuxième portée. Mi, sol dièse, si, après on pose notre accord, fa dièse, la et si, ici, d'accord? Et quatre notes pour la main droite. Voilà. Deuxième partie, donc elle commence toujours par l'anacrouse, mi, et on passe directement à la troisième portée. Fa dièse, legato. Après si, mi, ré, mi, technique pincée ici. Do dièse, mi, la, do dièse, mi. Mesure suivante tout de suite, c'est la même chose presque. Legato. Ré, mi, si, mi, fa dièse, legato, do dièse, la, mi. On continue, dernière mesure de la troisième portée, fa dièse, mi, legato, ré, et on passe quatrième ligne. Voilà, sol dièse, legato, donc on doit tenir les deux doigts en même temps. Et on tire un peu le quatrième vers le bas. Après, ré dièse, ré d'écart, si et la. Voilà. Ça, c'est vraiment le travail d'aujourd'hui parce que vous avez quand même plein de petits détails à faire. C'est très important. Question technique, c'est quand même assez rapide aussi. Donc, je pense que la deuxième partie, là, justement, a bien, bien travaillé, a bien apprendre par cœur de préférence les doigtés, sinon vous allez à chaque fois vous embrouiller et tout de suite, enfin vous allez toujours regarder le nez dans la partition tout le temps, alors que le but c'est aussi de regarder un petit peu les doigtés et d'apprendre par cœur pour travailler les automatismes aussi, d'accord? Et après, bah, quand vous allez installer vos automatismes, vous allez bien donc apprendre la pièce. Vous allez pouvoir accélérer, donc n'allez pas tout de suite très vite, allez tranquillement. Et on se retrouve pour le cours prochain, justement pour finir notre pièce. Salut, salut !